matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 11 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Aujourd'hui, j'ai pigé le poids des larmes. Ton âme vient te dire, il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable. Alors, tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout, son enseignement est positif. Tu sais, elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, le deuil d'une situation, le deuil d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances, et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer. Mais ne la refoule pas. Certainement pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler, ou juste de parler, alors fais-le. Fais-le. Tu peux également aussi écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, n'est-ce pas? Mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter, une vraie libération. Et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ton livre terrestre. Message de tes guides, il y a 6 mois, il s'est passé quelque chose d'important. Il y a 6 mois, quelque chose a fortement perturbé tes énergies et tes émotions. Il y a 6 mois, une partie de tes énergies s'est figée. Il y a 6 mois, une partie de toi a eu très peur. La peur n'est pas une émotion négative, n'est-ce pas? La peur est là quand tu te sens en danger, quand elle est une conseillère, elle te fige. Quand elle est une alerte, elle te permet de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Aujourd'hui, on t'invite, avec la méthode de ton choix, n'est-ce pas, à comprendre ce qui t'a fait peur et ce qui t'a rendu si triste. On t'invite à en comprendre son enseignement. Et surtout, depuis quelques jours, nous t'envoyons des signes pour que tu sois en contact avec une personne extérieure. Et cette personne, elle va t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter
avec toi-même. L'entité te dit, il y a une partie de toi qui est très, très, très triste. Il y a une partie de toi qui peut avoir envie de pleurer et de hurler. Ce n'est pas forcément directement en lien avec mon départ. C'est une situation qu'une partie de toi n'arrive pas à accepter et à dépasser. Et je le comprends tout à fait. J'aimerais t'aider davantage, mais je sais que c'est à toi de construire ton propre chemin. Ne crois pas que ces larmes me soient nuisibles. Ne crois pas que tu as une influence négative sur mon âme. Je suis là pour toi et je suis là pour te consoler. Je t'envoie de la douceur et de la bienveillance. J'aimerais te prendre dans mes bras, mais je sais que je ne peux pas. Alors, pour que tu puisses ressentir ma présence, prends du temps pour te cajoler, pour t'apporter de la bienveillance. Prends soin de toi. C'est à ce moment-là que nous allons vibrer sur la même énergie et que nous allons partager une communication douce et unique. Waouh, quel beau message! Le poids des larmes. Ne vous retenez pas à pleurer. Voilà. La guérison des 5 blessures, je m'excuse, mais bon, je suis émue de ce que je viens de vous dire. Eh bien, j'ai pigé une carte d'abandon. Aujourd'hui, je décide d'être attentif aux situations où une autre personne n'est pas d'accord avec moi. J'accepte le fait que l'autre a le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Si j'en suis incapable et que je vis des émotions, j'admets que c'est mon ego qui croit qu'être en désaccord signifie ne pas aimer. Je me donne donc le droit d'être encore dépendant de l'accord des autres pour me sentir aimée. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message, le dernier message de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.